Il est certain que c'est la première fois qu'on est dans une période où il y a un vainqueur et un vaincu, au moins syrien. Et un vainqueur et un vaincu aussi dans les alliés. C'est-à-dire là, il est certain que le régime de Bachar el-Assad a pris l'avantage. Il est certain que c'est pas lui, mais c'est son allié russe responsable essentiel de cet avantage à gagner à une partie en Syrie. Pareil pour l'Iran. Mmh. Donc il y a vraiment un camp qui a pris un net avantage sur l'autre pour l'instant. L'autre n'a pas l'air de réagir beaucoup. Si ça continue, oui, ce sera un ordre imposé qui peut s'imposer.